1980s. I was the 1990s. I'm Gay Tony and I'm back. Going back to what we do best of dance music paradise. You can do whatever you want down here. Set up a hub for your other businesses. I know nothing. But get me a DJ! Let's get to the disco. great music great crowd We got the london Massive. i love narcissism my wife a challenge but there's a limit here spared no expense that <laughs> was a cheap plane but whatever tony yeah i don't think you can say gay tony anymore it's not pc the internet'll go crazy Salut à tous c'est une nuit et enfin les gars enfin 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 un DLC les gars un nouveau DLC enfin on l'attendait depuis longtemps ce fameux DLC donc qui s'appelle donc du coup DLC boîte de nuit donc DLC night ça sera la night c'est la night en même temps les gars c'est les vacances c'est le summer c'est la danse c'est la joie donc voilà ils ont fait un petit DLC boîte de nuit chose qu'ils n'avaient pas fait l'année dernière euh, je sais pas pourquoi ils ont fait ça cette année un petit DLC comme ça boîte de nuit en tout cas, les gars, ce qu'on sait sur cette boîte de nuit. Donc déjà, vous avez vu l'abandon juste avant. Je pense que vous l'avez déjà vu avant parce que vous avez été nombreux à nous spam sur les réseaux sociaux. Et je voulais faire une petite analyse sur le DLC parce qu'il y, y a un retour d'un gros, très, très 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 gros personnage pour ceux qui suivent l'univers le, le, de GTA V. Et bah, euh, vous savez quel retour de Gay tony Et oui, les gars, Gay tony de retour ou Tony Price ou Anthony Prince, point Points, comme vous voulez. C'est à vous de voir. Euh, c'est comme vous voulez Et donc pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage Et pour ceux qui le connaissent Bah vous le savez euh, que lui bah c'est un peu le milieu des boîtes de nuit Et donc pour ceux qui ne connaissent pas bah, Je vais vous expliquer Qui est ce fameux Gettoni Et pourquoi il est dans ce DLC Donc boîte de nuit Vous allez voir que la référence est vite fait Alors Gettoni pour ceux qui ne connaissent pas Donc c'est un entrepreneur de boîte de nuit en fait dans l'univers de GTA euh, Et donc il a apparu lui dans GTA 4 les gars Donc dans le The Lost and Damned, donc c'est dans GTA 4 en fait. Et euh, lui, il a apparu dans un DLC, donc le DLC aussi, ba Ballad of Gettony. Donc justement le nom, Ballad of Gettony. Vous allez voir que le Gettony, c'est pas fait exprès. Enfin, c'est fait exprès. Il s'appelle Gay, gait, voilà, gay, bah, vous savez ce que c'est. Euh, vous allez savoir pourquoi, je vous expliquerai ça au fur et à mesure. D'ailleurs, il y a une référence dans le DLC que vous avez vu tout à la fin. Euh, J'en parlerai, de toute façon, je vais analyser le DLC du début à la fin. J'ai tout analysé. Et, et voilà. Donc alors comme j'ai dit, c'est un gars qui est dans le business donc, des boîtes de nuit. Donc dans, dans les anciens précédents euh, GTA, en fait, précédent euh, jeu de Rockstar on va dire. Euh, et donc, forcément, c'est son retour, les gars. Il est de retour pour nous jouer de mauvais tours. Et comme j'ai dit, donc lui, dans city on va dire, il, il a à peu près... Il possède franchement pas mal de clubs de bois nuit, comme je vous ai dit. Euh, il a la Maisonnette 9, pour ceux qui connaissent, vous vous souvenez. Donc c'est un, un club d'hétéro. Il a le Hercule, donc lui c'est un club de gays dans le jeu, enfin dans, le, dans les anciens jeux. Et il a d'autres euh, clubs comme le Bamas Mamas. Vous savez, le Bamas Mamas qui a sur GTA V, celui qui se trouve dans, le, dans la truc, bah, c'est à lui, justement. Et dans les anciens jeux aussi, c'est à lui. Euh, voilà, il a aussi d'autres petits clubs, euh, plutôt tranquilles, des clubs un peu de rock, enfin euh, voilà. Euh, il a pas mal de, de petits clubs comme ça comme je vous ai dit Et c'est pour ça que du coup ce personnage fait son retour Parce que lui c'est son business C'est les boîtes de nuit Et on va sûrement faire des choses avec lui Ce qu'on a vu dans le DLC déjà c'est qu'il y a des choses pas très illégales il a, il a des boîtes de nuit mais il fait pas mal d'illégales hein, Il respecte pas trop la loi Et je pense que ça va, être un, ça va être un DLC assez lourd Je pense que ça va être un DLC qui va picorer du pain dur Voilà euh, ce qu'on sait d'autre sur lui, c'est que déjà il est homosexuel. Comme je vous ai dit, il y a une référence dans le, dans le, dans le DLC euh, qu'ils ont montré dans le... dans le, dans le dans petit mandalous qu'ils ont mis Rockstar. Et il y a une petite référence par rapport à ça. Euh, voilà, on va tout analyser. Donc c'est parti les gars. Analyse du DLC. Euh. Donc voilà, comme je vous ai dit déjà, le retour de Getoni. Alors, de 0.19 à je ne sais plus combien, De secondes. On voit euh, que le mec, déjà, il n'est pas dans l'illégal. On voit que dans, son, dans sa boîte de nuit, euh, dans ses, on va dire son, son entrepôt, il y a un pôle central dans lequel on va pouvoir gérer d'autres affaires apparemment. Euh, alors je ne sais pas si ça va être des affaires illégales ou pas, je pense. Hein, un peu comme les anciens DLC. D'ailleurs j'ai peur... J'ai peur que ce soit comme dans les anciens DLC où, où, où vous savez il faut aller chercher la drogue et tout. Bon ça on a déjà vu, on a déjà vu dans au moins 4 3 DLC là donc là si ça nous reprend la même Rockstar, ça serait vraiment dommage. En tout cas moi je je trouve enfin je serais dégoûté, on va dire, parce que c'est quand même un DLC qu'on attend depuis longtemps, ça fait des mois qu'on n'a pas eu de DLC et j'espère qu'ils vont pas nous faire ça comme les anciens DLC. D'ailleurs, vous avez été nombreux à dire dans les commentaires de C'est pour les joueurs de GTA qui ont, qui ont commenté la vidéo. Vous avez été nombreux justement parler de ça que ça va, on espère que ça va pas être comme les autres DLC va falloir livrer de la marchandise enfin voilà vous savez les trucs habituels récupérer euh, telle ou telle chose en tel ou tel endroit de la ma map voilà ça on a déjà vu nous on veut des, des nouvelles choses on veut des nouvelles missions on veut des on veut des, des beaux trucs voilà donc on va pouvoir stocker des trucs apparemment je pense que ça va être comme les anciens DLC où on va, on va stocker de la cocaïne etc là je sais pas du tout ce qu'on va stocker tout ce que je sais c'est que ça a l'air d'être illégal voilà ensuite euh, ce qu'on sait d'autre, c'est qu'on va, on va pouvoir aussi avoir un garage. Et ça, bah, c'est pas une surprise, hein, comme dans les, tous les DLC qu'on a eu avant euh, le DLC des Bikers, le DLC euh, Contrebande, etc. On va du coup avoir un garage dans lequel on va pouvoir stocker nos véhicules. Et il a l'air d'avoir des, des nouveaux véhicules. On va voir ce que ça donne. De toute façon, on vous présentera tout ça à nous, euh, tout ça euh, tranquillement. La salle vous présentera tout ça, de toute façon dans un petit live, je pense. Et voilà. Euh, donc voilà, on va pouvoir avoir un garage, un stockage pour stocker des trucs. Tout ce qu'on sait, c'est ça pour le moment. Ensuite, à euh, 029, il nous dit. Après, après vers les 029, vers, ouais, vers à peu près des trentaines de secondes, il nous dit de trouver un DJ. Et là, bim, on voit une femme qui apparaît. Alors, c'est un personnage, apparemment. Un nouveau personnage que je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si je ne me suis pas renseigné là-dessus. C'est une femme. Et. On voit par la suite qu'en fait c'est une DJ qui frappe, enfin une femme quand même qui frappe un policier. Donc déjà, on voit que c'est vraiment très 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 illégal tout ça. Genre euh, un DJ qui frappe une policier, voilà. C'est bizarre, on va voir ce que ça donne, on va voir. Je pense que ça doit être une... Euh, ça doit être un... A mon avis, ils ont dû prendre un truc d'une mission ou quoi, on va rencontrer le personnage, je sais pas, je sais pas. Peut-être c'est un petit, un petit clin d'œil par rapport à, un, à une mission qu'on va voir. En tout cas, s'il y a des nouvelles missions, je kifferai. Voilà. Donc voilà, DJ. Et d'ailleurs on voit deux autres personnes à côté d'elle qui sont aussi DJ apparemment parce que je les ai vus mixer par la suite du DS. On verra ça. Ensuite, 38 secondes, on a un petit Tummer limousine, les gars, qui apparaît. Donc un petit hummer. Euh, limousine du coup qui a l'air pas mal. Donc je ne sais pas comment ça va être customisable dedans. Est-ce qu'on va pouvoir mettre de la musique Est-ce qu'on va pouvoir customiser Peut-être des nouvelles customisations. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait déjà c'est qu'il est customisable. Parce que, comme vous voyez dans le DLC, il euh, y a... Enfin euh, voilà, on peut le custom. On peut le custom. Est-ce qu'il y aura des nouvelles, des nouveaux, des nouvelles peintures, etc. C'est ce que nous verrons. Après, en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un petit à limousine. Et ça va changer de, de, des grosses limousines qu'on a vu euh, dans tous les GTA. Quoi. Voilà, ensuite, euh, on, voit le... on la voit danser. Donc la DJ que je vous ai dit tout à l'heure, on la voit danser. Et donc, comme, on comme je l'ai dit, ça sera un DJ euh, dans le jeu. Enfin, une DJ du coup. Je sais pas si c'est un ou une DJ euh, qu'on verra du coup dans le DLC. Ensuite, euh, on voit Getoni qui apparaît et qui dit laissez le boss arrive. Donc en gros ouais, c'est moi le boss, j'arrive. Euh, donc en gros, bah, comme je l'ai dit lui dans, dans, les, dans les précédents euh, GTA, dans les précédents... précédents euh, enfin on va dire ouais, dans les précédents, Dans les anciens GTA, c'était lui le boss des boîtes de nuit. Quoi. Lui il est possédé toutes les boîtes de nuit, il était dans le business des boîtes de nuit. Donc forcément c'est normal que Rockstar fait appel à ce personnage. Et c'est voilà, c'est une petite référence par rapport à lui. Donc c'est lui le boss apparemment. Il le dit clairement. Il n'a pas peur de le dire à, à ses associés et tout que c'est lui le boss. Et c'est moi qui arrive. C'est moi le boss. Donc hein, poussez-vous quoi. En gros. Euh, voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce DLC à 0.42. Donc je rappelle il y a à peu près une minute de bord de, d'annonce. De, de A0.42. On voit un camion. Plutôt Mastock qui me fait penser au Phantom Watch personnellement, ou qui me fait penser aussi au. Alors vous savez, c'est le centre d'opération mobile. Voilà, ça me fait penser à ça aussi. On voit un camion foncer sur la police. Donc là, on est clair et net. On va faire de l'illégal. On va faire des choses illégales. Et euh, on va sûrement faire des missions où il va falloir faire des choses. Où forcément la police va être confrontée. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ça va changer. Voilà, là, euh... il fallait un DLC. Il fallait un DLC. Je pense que tout le monde tout le monde va être content de, de ce fameux DLC en tout cas euh, j'ai hâte de tester ça alors malheureusement je pense je ne sais pas sûr mais je pense que je crois qu'on sera en vacances euh, le 24 il me semble hein. enfin je, je crois que c'est même sûr bon bon bref du coup euh, on passe à autre chose alors de 043 à 046 on voit des boîtes de nuit donc il y en a une qui est en extérieur la première qu'on voit c'est en extérieur euh, et ensuite, on voit une, aussi une autre boîte de nuit, cette fois-ci qui est en intérieur. Alors, celle extérieure, ça m'a l'air bizarre. Je ne sais pas du tout si euh, c'est une boîte de nuit qu'on pourra acheter. On pourra du coup avoir la première fois qu'on qu va pouvoir pardon, acheter un truc en extérieur. Je ne sais pas, moi. Je, moi franchement, je ne pense pas que ça soit euh, possible d'acheter en extérieur. J'aurais plutôt dit que. J'aurais plutôt dit que, que, en fait, moi, j'ai pensé que c'est juste en fait dans le cadre d'une mission, on a une mission où euh, à un moment donné il y a une cinématique où du coup bah il y a, il y a ces fameux Didi qui dansent dehors, il y a une petite danse. Alors moi je pense que c'est une mission plutôt que ce soit un truc qu'on peut acheter. En tout cas moi j'espère qu'on puisse... Qu on, enfin, on va dire J'espère qu'on pourra acheter un truc à l'extérieur parce que franchement, euh, pour l'instant c'est... Je kiffe. Parce qu'un truc à extérieur ça, ça change de, de tous les trucs intérieurs, customisables, etc. Là ce sera vraiment extérieur, ça a, a l'air d'être un truc un peu peace and love. Voilà. En tout cas, voili voilou. Ensuite, jusqu'à 51 secondes, les gars, on voit que le mec est plutôt chaud, que le mec, ça a l'air d'être vraiment, bah c'est le boss, là on voit clairement que c'est le boss, euh, là on commence à voir des, des voitures de luxe qui, qui tombent d'un camion, on voit un avion qui se crache, qui se détruit, mais lui, il le dit clairement, il s'en fout de l'argent, il dit ouais, euh, en gros, euh, ouais l'avion il coûte cher, mais moi je m'en fous, en gros, ouais, en gros, euh, limite, euh, il dit ouais j'ai de l'argent, je m'en fous, l'avion il, il est cassé, il est cassé, c'est pas mon problème, euh, je pense en, en gros limite quoi il dit ouais en gros je peux en racheter 15 quoi c'est pas un souci voilà donc là il va avoir beaucoup d'argent en jeu apparemment ça a l'air d'être un, un mec plutôt chaud et, euh, et c'est ce que nous allons voir les gars est ce que le mec est chaud est ce que le mec est pas chaud du tout c'est ce que nous allons voir en tout cas tout ce qu'on sait c'est que le mec il s'en fout de son argent ça lui pose pas de problème de casser des avions et on verra ça en tout cas les gars ça va être pas mal ensuite ce qu'on sait d'autre euh, alors à la fin donc on voit son pote euh, et lui donc il se sert la main Alors je sais pas si c'est un pote ou je pense ça doit être un, une de ses conquêtes Parce qu'il dit qu'en gros que, ouais faut que tu arrêtes de taper gay Tony parce que c'est pas politiquement correct il dit Et euh, du coup forcément gay Tony, comme je dis il est homosexuel Et voilà c'est pour ça qu'il lui dit il y a une petite référence euh, à la fin Donc voilà donc lui gay Tony est gay Et donc du coup il est a comme nom de famille gay Tony Donc c'est pour ça qu'il dit en gros ouais euh voilà quoi, c'est une, une référence qu'on va dire. Donc est-ce que c'est une conquête à lui On ne sait pas qui est ce personnage. On verra bien dans le DLC. Est-ce que c'est un pote à lui Est-ce que c'est sa famille Est-ce que c'est un gars qui est aussi dans le business Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On sait pas. Ensuite, fin du DLC, Fin du, de la bande annonce on voit quoi On voit euh, un DJ et ça a l'air de danser pas mal. Voilà, on voit des DJ euh, qui mixent, etc. Rien de spécial. Et là, donc le petit... Euh, Logo Rockstar qui s'affiche, DLC Night, PS4, Xbox One, etc., PC. Voilà, voilà. On a fait le tour, les gars, de tout le DLC. Ce que j'ai à dire, c'est franchement qu'il a l'air pas mal. J'espère juste ne pas être déçu et que ce ne sera pas comme les autres DLC où il va falloir, euh, comme j'ai dit, chercher des marchandises. Parce que ça a l'air d'être le cas. Hein. J'ai peur, j'en avais parlé à la salle et tout, justement à la team par rapport à ça. En tout cas, c'est ce que nous allons voir. Du coup, c'était analyse du DLC Boîte de Nuit qui sortira le 24 juillet. Le 24 juillet, malheureusement, nous, on sera en vacances. La salle le présentera en live. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Si jamais il n'y a pas de live de la salle, il sera présenté dans tous les cas. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ah, bye ah, bye.